Allez, salut tout le monde, c'est Azuric Perassia, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 524 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors, l'ère du fléau. J'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part les amis, je vais très bien. Souvenez-vous de l'épisode précédent, on avait tout simplement terminé, souvenez-vous, notre fameux laboratoire royal, les amis, à mode facile avec la lune de sang. Donc on avait réussi avec la lune de sang de la faire en mode facile, donc c'était assez tranquille, honnêtement, j'ai beaucoup aimé. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de scénario en général, et ça faisait extrêmement longtemps qu'on n'avait pas fait de lune de sang. Malheureusement, c'était dû à plein de circonstances, parce que la lune de sang apparaît que quand elle veut, hein, évidemment, donc je peux pas la manipuler correctement, hein. Il n'y a pas de manipulation réelle de la lune de sang, donc je suis obligé du coup d'attendre, de patienter et d'attendre. Donc du coup, bah, cela veut dire que pour faire une petite mise à jour, on va dire, de ce qu'il y aura à faire du coup en termes de lune de sang, la prochaine, tout simplement, j'attends soit qu'elle soit à mode normal vers le laboratoire royal, ou tout simplement qu'elle soit à mode facile dans la fameuse, voilà, c'est ici, non c'est pas ici, c'est où? Non, c'est pas ici, donc c'est ça, voilà, c'est le domaine Zora. Quand elle sera en mode facile, enfin en tout cas ici, pour le mode facile, avec Mipha, la princesse Zora. Voilà, au moins vous êtes au courant. Et mais du coup, bah, les amis, vu qu'elle n'est pas apparue dans les zones un peu décrites que je vous ai décrites là maintenant, on va tout simplement s'attaquer à tout simplement renversement d'Astor avec tout simplement le grand Koga. Et oui, voilà, j'ai décidé que ça serait le grand Koga, bah ça sera le grand Koga. Il est là, le grand Koga. Alors du coup, notre cher grand Koga, qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il peut faire des choses sympathiques? Telle est la question. on va la lock. Bon, je pense qu'on va la lock comme ça. Tac, 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 tac. Tac. Oh, ça coûte cher. Mais ça va. C'est tranquille. Bah, niveau 22. Ça va, niveau 22. Donc, on lock. Et elle n'a pas besoin de locker. Bon, bah, tranquille, hein. J'espère que vous êtes tous prêts et prêtes, les amis, parce qu'on va pouvoir faire le fameux renversement d'Astor. Astor a été aperçu sur la route menant au sommet de la montagne de la mort, affronter les illusions et des prodiges qui sont sous son commandement, puis battre Astor. On peut voir que du coup, en ennemis principaux, il y a Astor et les illusions, donc l'illusion Mipha, l'illusion Daruk, l'illusion Revali et l'illusion Urbosa. Donc bah, les amis, c'est parti, hein. Donc notre cher le grand Koga qui est là. Je pense que tout peut bien se passer, j'espère. On est en mode normal et c'est parti. Allez, let's go. Let's go, let's go. Ouf. Bombe à distance. Fameux bombe à distance. Ok, on va pouvoir commencer la bataille. Merci. Oh putain, c'est une ligne droite, j'avais oublié. Oh putain, d'accord, ça commence direct. Oh là. Restez calme. Ok, on a éliminé les deux illusions. Donc là, c'est fait exprès. Ok, déjà, toi tu meurs. Il manque plus que l'autre. Oh, le... Ah, la pute. Mipha. Ok. On ne bouge plus, j'ai dit. Oui. Boum. Ouais, là, on va pouvoir la défoncer. C'est bon. Les portes sont ouvertes. C'est parti. Merci. Style rock que j'aime beaucoup, hein. Style rock. Il y en a plein. Et ça, vous voyez, ça fait plaisir parce que ça me fait plein de certificats de style rock. C'est cool. Même si on n'en a pas besoin, même si, enfin, certes, on en a peut-être plus trop besoin maintenant, mais ça fait plaisir quand même. J'aime beaucoup faire grandir ces certificats. Attention. Et on se calme. Oh le bâtard. Oh le fils de pute. Oh putain, ils m'ont pété les plombs. Allez, 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 allez. Oh le bâtard. Non. Retour à la voyeur. Je suis désolé, hein. Oh, les deux à la fois, c'est parfait. Voilà, le coup point faible. Urbosa, t'es morte. Merci. Et du coup, logiquement, le petit Revali.
Allez, go. Attention. Nope. On ne bouge plus. Voilà. La porte est ouverte. Ok. C'est bon. Non, merde. On aurait dû utiliser l'arrêt de lumière. Bon, du coup, la porte est ouverte. Donc, je vais pouvoir tout simplement réussir à aller à l'endroit prévu. Allez, go. Voilà, c'est bien. On va pouvoir avoir plusieurs ennemis en même temps. Ah, c'est dingue. Allez, go. Yes. Bon, est-ce que, à votre avis, j'aurai le temps de battre la dernière illusion? Si je veux vraiment battre tous les ennemis. Parce que le mieux, c'est d'avoir les certificats. Qu'est-ce qu'il y a-t-il? Je sais pas, j'ai pas sorti en tout cas. Oh bah, elle est descendue. Ok, c'est bon. Attention, les ennemis. Les ennemis à la con. C'est bien, ça fait des certificats de chauve-souris, des ailes de chauve-souris. Et même peut-être des yeux de chauve-souris à la... Ah ben regardez. C'est au cas où rare, hein, je vous précise. Allez, go. Ok, le dernier illusion qui à mon avis Link, hein, c'est sûr. Et c'est parti, notre cher Link. Oh le bâtard. Oh merde. On va y arriver. Allez. Boum. Ah oui, ça augmente vraiment la zone de stress. Oh putain, ça apparaît. Oh, les illusions réapparaissent. Oh, c'est de la merde. Oh putain, la moitié du temps est partie écoulée. Ah bah là, c'était pas volontaire, hein. Alors, je veux juste tout simplement garder mes trucs de lui. Oh, oh, oh. On a du coup fatal, vous savez quoi? On va les utiliser pour eux, comme ça je peux garder l'arrêt de lumière pour Astor, tout simplement. La porte est ouverte. Yes. Allez, maintenant il ne manque plus que 7 minutes pour éliminer Astor. Salut Astor. Hey, on va déjà le calmer comme ça. On a du coup fatal, donc on va déjà directement le calmer aussi. Hein. Ouais, on va mettre tous les moyens qu'on peut obtenir là. Allez, go. Allez, 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 allez. Ok. Déjà, ça, une première fois, c'est fait. Tac, 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 tac. Pensez que je vais réussir sans... Voilà, on mange comme ça, moi, on a là-bas. Attention. Ouh, oh, 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 il m'a fait mal, ce con. Ah, il m'a fait ultra mal. Attention. Là, ça fait mal à chaque fois. Oh le bâtard. Oh le fils de chien. Oh oh. Le problème commence. Oh le bâtard. J'aimerais bien augmenter ma zone. Mon truc de stress. Oh putain. Non, c'est bon, tu vois. On va vite le calmer, eux deux. Parfait. Merci. Et voilà, Astor priorité. De toute façon, on va avoir les deux en même temps, donc logiquement. Ok, il manque plus rien, pratiquement. Et bah voilà, c'est fini. Bon, bah écoutez, c'est terminé. Bon, on a réussi. Astor battu en retraite. Bon, bah épisode 524 qui s'est très bien passé. Hein. On va peut-être passer une 72. Oui, ça c'est bien ça. Ok. Écrit Jiu. Ok. Alors, des trucs très intéressants. Des ailes de chauve-souris qui font bien plaisir. Ok. Et il a du chauve-souris aussi. Écoutez ça. Parfait. Bon, bah écoutez, on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. À la lune de sang. Bon, ça dépend si elle est au bon endroit ou pas, hein, évidemment. Donc, c'est soit la Mifa ou soit le laboratoire royal, hein, du coup. Alors.
Elle est pas au laboratoire royal ni vers Mipha. C'est encore le sauvetage de l'ouest d'Hyrule. On n'y est pas encore. Bon, mais du coup, les amis, merci de m'avoir suivi pour cet épisode. La fois prochaine, tout simplement, on ira tout simplement se rendre dans le un mode normal, faire la mission de DLC. Évacuation d'Hyrule, dans lequel on est obligé de contrôler, vous avez vu, Link, Zelda et Impa, les amis. Donc oui, on est vraiment obligé de les contrôler, donc on se préparera bien avec eux pour réussir. Bah écoutez, en tout cas, merci les amis de m'avoir suivi pour cet épisode, du coup, numéro 524. Et je vous dis à demain pour l'épisode numéro 525. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace.